Donc voilà, donc vous êtes dans le joyau de la couronne, hein, comme on dit, chez nous. Donc on y tient comme les prunelles de nos yeux. Et donc, pour vous expliquer, alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Là, vous avez sur Internet, vous avez l'intégralité des explications. Mais bon, déjà, ce que je vais vous dire, c'est que ce dessin a été fait, en fait, pendant ce qu'on appelle la drôle de guerre. Donc, après la déclaration de guerre, donc le 3 septembre 1939, jusqu'au mois de juin, il ne s'est rien passé. Et vous avez 148 soldats qui sont là, qui n'ont rien à faire, qui s'ennuient. Donc certains ont fait, vous avez déjà vu, hein, des obus, là, des douilles, là, ils ont travaillé les douilles. Il y en a d'autres qui ont fait de la gravure, il y en a d'autres qui ont fait des dessins. Et nous, ici, il y avait un soldat qui s'appelait Daniel Dervaux. Et Daniel Dervaux, lui, était déjà un artiste à l'époque connu. Et il a eu l'idée, à un moment donné, et c'est là qu'on dit que les officiers ici étaient un peu plus souples, plus cool. Voilà. Et en fait, Daniel Dervaux, il a eu l'idée de faire un dessin. Et donc, il a fait une caricature de l'allié Maginot et des officiers qui étaient présents. Donc, ce dessin-là... Alors, je crois, je ne sais plus dans quel musée il est, parce qu'il a été gardé. Hein, on a juste une copie. Et donc, c'est pour ça que je peux vous dire que c'est Daniel Dervaux, puisqu'il est signé. Donc ça, c'est son dessin à la base. Et il a refait la même voilà. chose avec ce... Alors, en fait, il a fait ça pour passer son temps. Il l'a présenté au capitaine de l'époque. Et c'est le capitaine Pierre Wolf, qui n'est pas resté... dans l'ouvrage longtemps, puisqu'il a été changé en cours de route, juste avant, aux alentours de mai-juin 1940, il a été changé par le capitaine Rameau, et le capitaine Rameau était un peu plus, bien sûr un peu plus strict, mais quand il a vu ça, il a trouvé ça génial, on suppose, et il a dit, bah écoute, tu ne voudrais pas nous le faire dans, ici vous êtes en fait dans le foyer des officiers. Voilà, c'est pareil. Donc les officiers venaient ici. On voit bien que c'est un foyer des officiers puisque derrière vous, vous avez l'évier avec même de l'eau chaude. Hein. Donc ici, on est dans l'infirmerie. Pareil, alors là, ce qu'on a dit tout à l'heure dans les blocs de combat avec la ferraille au-dessus, c'était pour empêcher d'être stressé. Là, par contre, c'est pour empêcher que la saleté tombe, bien sûr, puisqu'on est dans une pièce qui devait être stérile. Quoi. Voilà. Donc il y a du carrelage partout. Donc ici, il y avait en fait une table d'opération et à côté, il y avait une table pour le dentiste, pour celle que vous avez vue tout à l'heure, le pauvre qui se faisait arracher une dent. Voilà, et avec le chauffage, alors pareil, hein, l'allié Maginot, vous savez, elle était quand même considérée comme à la pointe de tout ce qui existait. Hein. Et notamment là, ce que je voulais vous montrer, le chauffage électrique, c'était ça, on avait des radiateurs électriques. Donc là, on est en 1940, avoir des radiateurs électriques, c'était déjà de la modernité. Quoi. Alors il y avait une... ceux qui savent, taisez-vous. Donc il y avait une maladie qui était connue dans l'imagino principale. Est-ce que quelqu'un sait laquelle que c'est? Vous savez? Ah, vous savez pas? Non. Ben, vous savez. Alors. Donc ici, on est dans la cuisine donc, de troupes. Et c'est là qu'on peut voir aussi la qualité... et la modernité de l'ouvrage. Puisque vous avez, tout est électrique ici. Il y a le four, là il y avait un éplucheur à patates, il y avait le chauffe-eau, tout est électrique, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et un autre point qui montre qu'on était largement en avance et de qualité dans cet ouvrage, c'est, je vais appeler ça la gazinière, c'est pas la gazinière, c'est la marmite. Il faudra vraiment que je trouve un terme une fois. Donc ils faisaient la cuisine là-dedans, et donc là c'est électrique. Dans certains forts c'était charbon, bois, ça dépendait, hein, ils avaient des choses, mais nous c'est électrique. Mais surtout ce qu'il faut voir, c'est en quoi c'est fait. Là c'est l'inox. Ben, l'inox on connaît bien, hein. L'inox ça roule pas, donc pour faire la cuisine c'est bien. On est en 1940, l'inox est arrivé en France dans les ménages en 1960, et en fait l'armée a acheté le brevet aux Américains pour justement fabriquer ce genre de choses pour mettre dans les ouvrages. Et donc c'est pour dire qu'on est vraiment à la pointe de la technique. Alors ici, donc je disais, nous sommes dans le foyer du soldat. Donc c'est là que le soldat venait prendre boire un coup avec ses collègues. Et donc c'est la pièce, on va refaire la même chose. On va faire un petit musée à côté avec le peu de pièces qu'on peut avoir. Alors vous avez l'autre peinture murale. Celle-là a été faite par les soldats. Et donc ils ont dessiné Mickey un peu dans tous les sens. Et puis, si vous voulez voir Mickey un jour avec un fusil à côté de Maginot, ben, il n'y a que ici que vous pouvez le voir. Voilà.
Voilà, donc celle-là aussi, c'est la deuxième qui fait qu'on a parlé du forum fresque, bien sûr. Alors, pourquoi Mickey ? Mickey était très populaire à l'époque. Hein. Voilà, donc les soldats, automatiquement, c'était les premiers dessins animés, c'était les premiers. Donc ils ont dessiné ce personnage. Ils l'ont bien fait. Hein. C'est bien fait. Ouais, c'est le début. Voilà, c'est le début de Donald. Ouais. Ouais, sympa. Alors les pièces qu'on peut avoir qui sont vraiment spécifiques à l'Imagino ici, on a cet objet, celui-là. Pardon ? Alors ça, c'était pour le mortier. Donc le mortier, vous connaissez, c'est un tube, vous mettez le mortier, ça part. Le problème, c'est qu'on est à l'intérieur. À l'intérieur, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Donc ils avaient inventé ce fusil à mortier, donc pour pouvoir l'utiliser. Donc on le passait dans les cloches et on tirait avec ça. Ça doit coûter quoi ? Hein ? Ça doit... Ah, ça doit... Oui, oui, ça devait être... Alors, il était attaché, hein, il était fixé. Ah, okay. Oui, 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 on ne le prenait pas simplement comme ça. Oui, il, okay. Il était fixé pour pouvoir tirer. Voilà. Donc là, on est dans la partie foyer du soldat, enfin, casernement, on va dire. Donc là, c'est un lieu particulier où les gens sont au calme. D'accord ? Parce que quand ils sont... quand ils sont au combat, quand ils sont... Ici, ils viennent, ils peuvent se reposer puisque on fonctionne, allez, on va dire, au 3-8. Alors, juste ici, c'est un petit peu trop proche. Dans les plans, en général, le casernement était un petit peu loin des blocs de combat pour éviter les bruits et tout ça. Mais là, bon, on est quand même sous terre, on est quand même bien protégé. Donc, de ce côté-là, on a les toilettes. Donc, si cette nuit, hein, je crois que les toilettes sont en fonction. On a les pissotières aussi, pour ceux qui veulent utiliser les pissotières. Petite anecdote dans les pissotières, au fond des pissotières, il y a deux dates qui ont été écrites par un soldat qui est venu. Il a mis sa date d'entrée et sa date de sortie. Donc, c'est tout au fond. Juste au-dessus de la ligne du tuyau noir. Mais bon, c'est une petite anecdote, hein, c'est pas... Ouais, on aime bien, c'est juste écrit. On aime bien ça. Voilà, bon, voilà. Et donc, pour ceux qui veulent dormir, bah, c'est ici. Donc ici, ben, on est dans la chambrée. Donc, les effets personnels, les soldats n'en avaient pas trop hein, quand on est ici. C'était plutôt quand ils étaient dans le campement qu'ils avaient des effets personnels. Là, ils avaient juste une petite caisse pour pouvoir mettre leurs affaires, et puis c'est tout, ils n'avaient pas grand-chose. Comme je vous disais, c'est un endroit qui est plutôt calme. Les gens ne viennent pas faire le bazar ici, puisqu'ils doivent se reposer. Et on a le système, ce qu'on appelle ici la paille à chaude. Hein. C'est-à-dire, je dors, je me fais réveiller par mon collègue que je vais remplacer, il prend ma place, donc le lit est toujours chaud, toujours occupé. Voilà. Donc, dans les forts, c'est pareil, hein. Les chambrées sont différentes. Dans certains endroits où il manquait de place, en fait, il y avait les lits, mais c'était plutôt des hamacs. Et puis, ils décrochaient les hamacs pour avoir une place, pour pouvoir faire après. Nous, ici, entre guillemets, ils ont de la chance d'avoir une chambrée et un foyer. Donc, ils pouvaient avoir les deux. Donc, c'était. Voilà. Donc, là, on était vraiment sur la partie repos. Voilà. Donc, vous voyez, hein, il n'y a pas un nombre de lits comme les soldats, comme le nombre de soldats, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà, vous testerez. J'ai déjà testé. C'est très très bien. Bon allez, bonne nuit. C'est l'heure de se coucher.